Donc, dans cette vidéo, nous allons créer un dépôt. Donc, pour cela, nous allons aller dans Articles et Stocks. Ensuite, sur le menu de gauche, dans Fichier. Ensuite, nous allons aller dans Dépôt. Donc, on voit qu'il y a le dépôt par défaut. Nous allons en créer un nouveau sur l'icône Nouveau. Nous cliquons ici. Puis là, nous allons créer notre dépôt. Nous allons remplir les coordonnées. Donc, abrégé stockage. Donc là, nous avons créé notre, nous avons rempli nos coordonnées. Donc maintenant, nous cliquons ici sur valider. Notre laboratoire du stockage est créé. Maintenant, nous allons fermer et nous allons remplacer le dépôt par défaut par notre dépôt que l'on vient de créer. Donc pour cela, nous allons aller dans paramètres, société. Sur le menu de gauche ici, puis nous allons sélectionner paramètres société. Nous allons sélectionner gestion commerciale et là nous allons chercher le dépôt et là nous allons modifier là. Nous allons sélectionner stockage laboratoire, celui qu'on vient de créer. Et nous allons valider.